Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 10 de la série. Et comme annoncé dans l'épisode 9, on va poursuivre ensemble l'exploration de ce donjon, qui est une grande première pour moi. Alors, un petit peu d'éclairage. Ah, une porte. Alors, est-ce que ça ne serait pas la porte que j'avais actionnée tout à l'heure? Pas évident. Non, pas du tout. Il s'agit d'une autre porte. Bon, on verra ça plus tard. Je vais continuer par là. Alors, a priori... Oh là là. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, je vais pas la mettre là. Voilà. Ouais, a priori, les donjons sont... immense, 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 et je n'ai plus de torche. Alors je vais m'en refabriquer. Ouais, je vais peut-être pas aller bien loin avec tout ça, mais bon. Ok. Est-ce que je passe tout mon charbon? Je vais peut-être en garder un petit peu. Bon, enfin, en tout cas, j'ai tout intérêt, je pense, à... Oh là 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 là. À éclairer comme il faut. Ah ouais, 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 c'est un vrai dédale. Ok. C'est bien ce qui m'avait semblé sur des vidéos que j'avais pu visualiser. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors, je suis pas persuadé de trouver monts et merveilles dans ce donjon, mis à part peut-être des coffres. Mon dieu, ça tambourine de partout. Bon, allez, on va déjà aller par là. Ok. Les geôles. J'ai quand même éclairé un maximum. Et voici les fameuses bibliothèques. Avec des jolis bugs de lumière. Ça, si un jour Mojang arrive à régler ce problème, ce sera vraiment un miracle. Est-ce que... Bon, est-ce que rien du tout. Est-ce que j'utilise... Bon, il arrête de tambouriner, l'autre. Ouais, allez, je vais... Tant pis. Utiliser... mon épée... pour me débarrasser des toiles d'araignée. Ah, ça fait des jolies pièces, hein. Ces salles, ces bibliothèques. Bien. Voilà. Je fais le ménage. Même plus facile de faire le ménage dans Minecraft que dans la vraie vie. Hein. Là, je vous avoue que si j'étais un petit peu plus sérieux, je devrais être en train de faire le ménage chez moi plutôt que de jouer à Minecraft. Mais chacun ses priorités. Ah, ça monte. Allez. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Allez, un petit peu d'éclairage. Alors, ouais, bah du coup, je sais pas très bien... Ah, un coffre.
avec des bouquins. C'est pas très utile. Mais éventuellement, effectivement, c'est vrai que je pourrais piller un de ces quatre, cette grande bibliothèque pour utiliser la bibliothèque. En même temps, pourquoi faire? Je ne sais pas. Oh, la jolie torche qui tient toute seule. Pouf. Bien. Ah, un autre coffre là-bas. Il y en a un. Et a priori, c'est le seul. Ouais. Un coffre là-bas. Ok. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Sera peut-être plus... Ah non, des bouquins et des bouquins. Bon. Eh bien, je dirais, tant pis. Ok, donc là, bon bah, rien de fabuleux. On va continuer la progression. Alors, ah, déjà une araignée. Ok. Mon inquiétude. Ouais, ça fait une sacrée enfilade de portes. Mon inquiétude, si je passe la porte. C'est de me retrouver bloqué de l'autre côté. Bon, je crois qu'on va pas se casser la tête. Je vais passer par là. Alors, toujours en espérant ne pas casser les mauvais blocs. Et là, c'en est un de mauvais blocs. Zut, crotte flûte. Peut-être essayer de la taper comme ça, elle. Hop. Allez, reviens. Merci. Ah, ça marche même à travers? Non. Tu veux pas venir? Oh. Pas très sympa. Ah. Ok, bon allez, je passe. Oh. Ok, j'avais déjà vu une vidéo. Et une autre salle. Oh là 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 là. Ouais, une vidéo d'un joueur là qui s'était fait un vilain flip avec une chauve-souris, et c'est exactement ce qui vient de m'arriver. Bien. Voilà, et donc ce que j'avais lu également, c'est que souvent. Je vais finir par me perdre, moi. Là, c'est pas possible. Hein. oui, c'est que souvent les bastions sont coupés en deux, soit par des crevasses, soit par ceci, cela, comme ici, ce qui ne facilite pas la progression. Ouais, je vais finir par me perdre, moi. Là, je crois qu'il y a pas de doute là. Hein. Alors entre ça et les blocs qu'il faut éviter de casser à cause des silverfish, je crois que je suis pas rendu. À moins que je me fasse un petit truc comme ça. Oh là, ça va pas être très joli, mais peu importe. On n'est pas là pour faire dans la déco. Oh là là! Ah d'accord. Alors lui il m'a fait peur là de sortir de la pénombre. Et toi là, hop, bah, saloperie. Là. Et encore un autre. Voilà. Oh là là. Là c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il doit y avoir un spawner. Non? C'est quoi cette pièce immense? Ah non, elle est peut-être pas si immense que ça. Non. En fait non. Ok. Oh. Ah non, mais c'est gigantesque. Ouais, c'est ce qui me semblait, mais là j'avoue, je m'attendais pas à ça quand même. J'ai oublié de l'XP. Non, là c'est clair, je vais me paumer, hein. Là, y a aucun doute.
Bon, je vais ouvrir cette porte puisque je suis plus ou moins passé par là. Oh là 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 là. Ah ouais, alors entre la pénombre et les bugs de lumière, j'avoue que c'est pas top top. Pas tip top. C'est quoi ça? Ok, donc c'est ah, un Enderman, si j'en crois le son. Ça pourrait être bien pour refaire ma collection de perles. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore une torche folle. Bon, si ça se trouve, c'est purement décoratif. Quand même regarder d'un peu plus près. Rien de... Non, rien d'autre. Pourquoi pas? Là. Ah. Alors. D'accord. Ok, maintenant il y a des étages. Alors, comme si le dédale de pièces n'était pas suffisant, Mojang rajoute des étages. Eh ben. Voilà, et on voit rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Rien de rien. Je plutôt la mettre là. Ah, un coffre. Question que je me pose, c'est est-ce que je vais trouver des choses intéressantes? Ah, là c'est déjà plus sympa. C'est plus sympa. Ouais, par contre, au niveau de l'inventaire, je vais vite être plein. Et en plus. Oh, des diamants. Alors ça c'est pas mal. Une épée et du fer. Je vais laisser ça là. C'est pas que j'en ai vraiment besoin. Limite, je pourrais laisser cette épée là aussi. Ça me fait un petit peu de place. Et ouais, je suis un petit peu sot. J'ai oublié de poser mon lit. Hop, 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 et ça continue. J'ai oublié de poser mon lit à côté du portail vers l'End. Ça m'aurait fait un petit peu de place dans mon inventaire. Bon, bah on va descendre. Well, well, well. Ok. Ah la vache, alors. Ah non, c'est pas vrai, non, 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 je. Non, non, alors, hors de question que je meure ici, toi. Là, faut bien me comprendre. Oh punaise. Alors, évidemment, le fait d'être passé en version 1.5 fait que les mobs, et notamment les squelettes, sont encore un peu plus coriaces à battre qu'avant. Ils visent beaucoup mieux les squelettes et ils tirent à une cadence plus élevée qu'avant. Donc ça devient un petit peu pénible. J'ai. Ah là là là. Et j'ai plus. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors j'ai une jolie flèche dans le crâne. Là par contre. Ouais, si je trouve pas de charbon rapidement, et là je doute
que j'en trouve dans le donjon, il va falloir que je remonte à la surface pour aller me réapprovisionner. J'y avais pensé un petit peu à l'avance, là, à prendre... Qu'est-ce que c'est que ça? À prendre un peu de charbon. Mais j'ai vu trop juste. D'accord. Alors là, mon épée smite va faire merveille. Ah ouais, mais c'est ça, j'arrive à les... Non. Non, j'ai eu l'impression de pouvoir taper à travers la porte, mais ça n'est pas le cas. Alors c'est toujours aussi pratique pour passer. Oh my god. Et alors ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Alors il y en a un certain nombre d'entre vous qui doivent bien rigoler parce que je dois être un des derniers joueurs Minecraft. Oh là là, et ça descend encore. Je dois être un des derniers joueurs Minecraft à ne jamais avoir exploré un bastion. Et là ça descend, et là c'est ma dernière torche. Bon, et la question va être de retrouver... Ah, d'accord. Je vais peut-être la prendre celle-ci. Ouais, c'est pas une bonne idée. Ça non plus, c'est pas une bonne idée. Bon. Ok. On recommence. Alors là, avant que les mobs ne spawnent. Ah, excellent. Excellent. C'est pas Byzance, mais ça va me permettre de refaire quelques torches. Alors si je prends ça, combiné à ça, voilà, ça m'en fait 10. Bah, je vais passer, voilà, je vais passer tout ça. Oh là 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 là. Mais il devient stressant ce jeu, c'est pas possible. Ce que je pourrais faire éventuellement, c'est alors est-ce que j'ai, ouais. Je pourrais faire, c'est effectivement récupérer les coffres. Suis... Comment dire? C'est grand, c'est gigantesque. Hop, hop, allez, prends ça. Ah bah il est mort. Allez, hop. Désolé vieux, hein. Je voulais te tuer, mais peut-être pas en une fois. C'est vraiment affolant, comme ça peut être gigantesque. Ok. Rien. Encore un coffre. Ok, j'ai bien fait de poser ma torche au sol. Allez, viens, gamin. Ah, en plus, il est coincé. Parfait. Voilà. Ok, bon, je vais essayer quand même de... d'économiser mes torches. À ne pas en mettre... partout, partout. Ah là 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 là, ces vilains bugs de lumière. J'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Et c'est pas peu dire. Ah, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière ça? Éventuellement rien. Non, on va aller avec la technique de la torche. Voilà. Là, j'ai pas réussi. Ouais, c'est pas évident qu'il y ait quelque chose derrière, mais enfin, je vais quand même aller voir. Et là, je suis pas assez rapide. Et là, trop rapide. Non, alors il y a peut-être rien du tout derrière, hein. Ah,
suis quand même allé jusqu'au bout. Ah, de l'or. De l'or pour faire des escaliers. Ok. Eh ben, je sens que l'exploration de ce donjon va prendre. Est-ce que vous avez déjà vu un bloc volant? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fantôme? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais alors là, c'est du jamais vu en ce qui me concerne, en tout cas. Un bloc fantôme. Alors, est-ce que je vais pouvoir réussir à le récupérer, celui-là? Ouais, ça y est, c'est bon. Ok. Non, c'est pas bon. Non, 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 pas du tout. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est Parkinson? C'est quoi? Ok, j'arrive toujours pas. Ouais. C'est. Non. Ah là là, mais c'est incroyable. Hop, viens, viens, je te veux. Ah, d'accord, je suis plein. Alors. Je vais vider un peu mon inventaire, bien évidemment. Par contre, le. Là, les mouvements que fait le bloc sont quand même très surprenants. Allez, je vais débarrasser de tout ça, j'en ai marre de ce gravier. Hop. Et pas mal d'or. Et je pense qu'on va bientôt en rester là. Déjà une vingtaine de minutes, 2 minutes de tournage. Non, d'accord. Ok, bon, ça nettoie bien. Ouais, je sais pas combien de temps on va passer dans ce donjon. J'espère que ça sera pas trop long. Mais il y a vraiment de quoi explorer, hein. Alors, qu'est-ce que je peux laisser? Des yeux d'araignée. Ouais, c'est pas quelque chose qui m'excite plus que ça. Alors, voyons. Est-ce que je récupère ce bloc? Non, il est complètement buggé. Bon. Ah, non. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Bon, en même temps, je dirais que ça fait aussi le charme de Minecraft. Minecraft et ses bugs. Il faut faire avec. Et là, encore une fois, des items complètement buggés. Non, mais c'est incroyable. Pourtant. Ah non, 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 non. Donc là, c'est qu'effectivement. Qu'est-ce que je peux laisser? Ben, à mon avis, la viande de zombie. Voilà. Donc là, je récupère bien. Voilà. Ce qu'il faut. Bon, bah, je pense que c'est tout, hein. En matière d'or. Bien, et eh bien écoutez, on en reste là pour cet épisode, et désolé, désolé, mais le prochain épisode, je crois qu'on sera encore en exploration du bastion, et je sais même pas comment je vais retrouver mon chemin. Bref, ça c'est mon affaire. À tout bientôt. Ciao.